Bonjour tout le monde. Ben aujourd'hui, la deuxième partie de la vidéo, en effet, je la trouvais quand même relativement longue si je les mettais les deux bout à bout. Et bon, je dois vous avouer aussi une chose, c'est que j'avais pas tout à fait fini le montage. Donc maintenant, c'est terminé. Donc on passe à la partie 2 qui va concerner essentiellement et que les courges de cucurbitacées, butternut, etc. Allez, c'est parti, on y va. On va passer maintenant au semis de cucurbitacées, c'est-à-dire concombre, courge, courgette, potimarron, pastèque, etc. Juste une chose ici, les pastèques, là, je les ai faites quand même un peu avant, comme vous pouvez le voir là. Elles sont sorties, elles sont du 5 avril, là on est le 15, donc ça a 10 jours, mais elles mettent un peu plus longtemps que les autres à arriver à maturité. C'est pour ça que bon, je les ai faites avant, mais maintenant il est encore tout à fait temps de faire les pastèques, bien évidemment. Et nous, ben, j'ai fait également, là je vous montre, ce sont des butternuts qui ont 6 jours, quoi. Et regardez déjà comment elles sont, quoi. Donc ça pousse extrêmement vite. C'est pour ça que bon, à la mi-avril, je pense que vers la deuxième semaine de mai, bon, ça sera prêt à planter en pleine terre et tout ira bien. Peut-être que pour ces cucurbitacées qui demandent pas mal de chaleur, j'attendrai le 15 mai pour, c'est-à-dire les scènes de glace pour être sûr du coup, mais bon, globalement, ça devrait aller. Donc, je vais vous montrer comment je voyais ces semis. Mais les autres, c'est exactement de la même façon et on va voir les différentes variétés que je vais semer maintenant. Donc on va commencer par le potiron bleu de Hongrie. Ce sont des courges, des potimarrons là qui sont couleur bleu-gris, qui font à peu près 4-5 kilos, qui sont à mi-chemin entre au niveau taille entre les potimarrons Red Curry et les grosses rouges des tempes ou les courges musquées. Comme on peut le voir, c'est des graines qui sont méga grosses. Et donc là, il faut reconnaître le cucu, la tête, mais je ne sais jamais dans quel sens il faut les mettre. Donc je vais vous montrer comment je fais. Dans un premier temps, je vais utiliser un terreau. Je tamise quand même légèrement la terre, là, ici, pour enlever les gros morceaux, les bouts de bois, etc. Mais enfin, c'est le tamis qui est assez grossier, quoi. Vous voyez, c'est juste pour enlever ces gros morceaux là, afin d'avoir un substrat qui est quand même relativement fin, mais pas trop. C'est pas nécessaire. Donc on regarde pour 4. Bon, c'est très très rapide. Ici, je remplis, je tasse. Je remplis, je tasse. Là, ici, enfin le dernier, là. Voilà les quatre. Donc ici, ce que je fais, je prends quatre graines et je ne sais jamais si c'est la pointe vers le haut, la pointe vers le bas. Donc du coup, comme ça n'a aucune importance. Que je vais faire, je vais le planter d'une façon verticale ici, comme ceci là, au milieu. Et c'est un semis qui va rester dans ce godet donc pendant globalement un mois. Bien sûr, je ne le laisse pas au bord, je l'enfonce d'à peu près 1 cm puisqu'il faut 2 fois et demi. Donc je pense que je l'enfonce bien à la verticale, comme ça, il n'y a pas de souci. Ça va faire donc, ouais, 1,5 cm, 2 cm. Voilà. Ici, c'est planté. Je rebouche. Là. Ce qui est important, c'est de bien mettre en relation la terre et la graine. Donc, pour ce faire, eh bien, je prends un tassoir que j'ai fabriqué. Ça, ici, ce sont des godets 9, 9, 9. Et ça, c'est un carré de 70 qui me permet donc de tasser. Donc une fois ceci, qu'est-ce qu'on va marquer? On va marquer l'étiquette bleu de Hongrie pour éviter de se planter. Et toujours pareil, toujours de la même façon, qu'est-ce que je fais?
Je vais le bassiner et ensuite je vais le mettre au chaud à une température de 20, 20, 20, 25, 20, 22 degrés, quoi, tranquille, pendant le temps que ça germe. Une fois que c'est germé, tout de suite je le mets dehors et pour avoir la pleine lumière. Voilà. On attaque maintenant la courge musquée de Provence. On l'appelle muscade ou musquée de Provence ou musquée de Nice. Je veux dire, les graines sont quand même un peu plus petites, mais c'est toujours le même système. Je vais les mettre à la verticale. Alors, ces courges font quand même, l'an dernier, elles ont fait chez moi entre 8 et 10 kilos de moyenne. Et par pied, j'en avais deux, donc c'était quand même relativement intéressant. Et en plus, non seulement elles sont intéressantes au niveau du poids, mais elles sont très intéressantes également au niveau du goût. On s'est régalé avec des soupes, avec des musquées de Provence. Donc c'est toujours la même chose, quoi. Toujours y a rien qui change. Hein. Comme je ne sais jamais dans quel sens on va les mettre, ben moi je les mets à la verticale, comme ça, ici, et je les enfonce à peu près d'un centimètre. Voilà, et 1, et 2, et 3, et 4. Je rebouche. Je tasse. C'est intelligent hein, comme travail, mais bon. Faut me passer par là si on veut manger. Hein. Et donc, on met les étiquettes qui vont bien, que l'on a préparées au préalable, pour gagner éventuellement du temps, ou éviter d'en perdre, c'est selon. Voilà. Alors, à bassiner et à mettre au chaud, toujours pareil comme les autres, jusqu'à ce que ça pointe. On passe au potimarron Red Curry, qui est un potimarron orange qui. Gros à peu près comme ça, qui doit faire à peu près entre 1 et 2 kilos maximum. Bon goût de châtaigne, on n'enlève pas la peau. Excellent en soupe et à cultiver également. Allez, on continue. C'est toujours pareil. Hein. Ici, 1 centimètre, 1 centimètre et demi. Voilà. Ah. On remarque que celle-ci est coupée, là, vous voyez. Donc je préfère pas la mettre. Les autres, faut regarder est-ce qu'elles soient bien bombées, pas esquintées, tout ça. Et donc à partir de là, eh bien, après tout va, hein. C'est bon là. On couvre, on tasse, à bassiner et au chaud. Voilà, comme si ça suffisait pas. Bon, maintenant on passe des potirons rouges vifs des tempes. Ça, c'est des courges qui sont grosses comme ça et qui font une dizaine de kilos, qui sont excellentes aussi. Et donc, j'en fais encore. Donc, mais toujours pareil, hein, je veux dire, bon, il n'y a pas. On réfléchit pas trop, hein. Pareil, hein. Une, deux, trois, quatre. On rebouche, on tasse, on bassine, on met au chaud. Et enfin, je vais planter des courges pommes d'or. Ce sont des, je l'ai jamais fait là. Ce sont des petits fruits de 100 grammes. Il paraît qu'il en sort à peu près une vingtaine par pied. Donc, on va essayer. Ça rappelle un peu les Jack B. Little, mais avec, comment dire, avec une police. Donc, elles ont la police et jaune. Voilà. Et donc, je vais planter ça. Bon, mais donc voilà, j'ai fini tous mes semis de courges. Comme vous avez pu le constater, je fais pas mal de variétés et j'en fais pas mal, quoi. Donc, il est tout à fait légitime de votre part de vous dire, sachant que j'ai un potager de 30 mètres carrés et que je ne cultive qu'en pot, mais qu'est-ce que je vais foutre de toutes ces courges et les courgettes, ça viendra plus tard, quoi. Qu'est-ce que je vais foutre de toutes ces courges, là, franchement, là. Si on fait la récap des courges que j'ai semé des butternuts, j'ai semé des red curry, j'ai semé des pommes d'or et j'ai semé des longues de Nice.
Donc ces quatre courges, je vais les palisser le long de la haie dans les pots. Je vous montrerai quand il sera le moment. Donc c'est-à-dire, je cultive qu'en pot. Hein. Donc ces courges vont être dans des pots et je vais les conduire en hauteur, ce qui fait que sur un pot qui va faire à peu près 50 de diamètre, mais je vais faire pousser une ou deux courges le long, mais que je vais palisser sur du grillage. Voilà pour les courges. Ensuite les autres, je vais avoir les bleus de Hongrie. Je vais avoir également les muscades, la vive d'Étampes, qui sont des courges rampantes et qui sont qui sont vraiment très grosses et qu'on ne peut pas conduire en palissage. Donc je vais les mettre le long des haies chez moi. Je vous montrerai où je les mets et comment je fais ça. Mais ça n'explique pas quand même le nombre énorme de plans que je fais. Ben, tout simplement, il y a des gens qui se sont aperçus, notamment la famille et mes amis, qui me demandent tous des plans de ceci, des plans de cela, des plans de ce machin et tout, etc. Comme ils ne savent pas surtout le faire, ben, moi, pour moi, c'est un plaisir. Donc, ben, je fournis un peu tout le monde et c'est comme ça, quoi. Voilà. Bon, mais cette partie de vidéo est maintenant terminée. Bon, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, bon, n'hésitez pas à liker, à la partager, à vous abonner. Sur ce, portez-vous bien et bye bye les gens.